Coucou, je voudrais parler aujourd'hui du Cercle des femmes magiques, le groupe Mastermind qui commence la semaine prochaine, en septembre. Et j'ai reçu pas mal de questions et je voudrais dire qu'il y a encore 3 places dans ce Mastermind et en parler en répondant à ces questions. Donc, qu'est-ce que c'est le Mastermind, un Mastermind et pourquoi je l'ai appelé le Cercle des femmes magiques? Tout ça tient parfaitement ensemble avec aussi le challenge My Magic Business. Quand tu es entrepreneuse, quand tu es coach, tu es thérapeute, tu fais du travail en individuel avec tes gens, tu as souvent vraiment le problème, donc si c'est online, d'être seul avec ton ordinateur, où tu as toi et tes clients. Tu ne vas pas au bureau où tu vas pouvoir avoir tous tes collègues à papoter, tu ne travailles pas en équipe, souvent tu travailles seul. Et tu es ton propre maître. Et c'est probablement aussi ce que tu aimes là-dedans, cette liberté. Mais cette liberté, c'est un peu à double tranchant. Parce que souvent, nous avons eu accès à cette liberté parce que nous avons rêvé de sortir de quelque chose. Mais tout ce dont nous sommes partis, nous l'avons quelque part pris avec nous. Et là, il faut s'organiser. Tu es libre de prendre tes décisions, mais tu as aussi la responsabilité de tes décisions. Et donc, quand on est seul comme ça, devant tout, on doit gérer son business, donc l'activité avec le client, on doit gérer les finances, on doit prendre des décisions, on doit prendre des risques, on doit faire l'administration. Donc, on est une seule entreprise, une grande entreprise à soi-même, tu vois. Donc, on peut mettre différents chapeaux et se dire, aujourd'hui, je vais faire ça, je vais faire ça. Tu dois être organisatrice, tu dois être ministre des Finances, enfin, tout. Et c'est beaucoup ça, en fait. Et on n'est peut-être pas parfaitement préparé à cela. J'ai mon écran ici qui me dérange. Je ne sais pas pourquoi il saute comme ça. Je vais faire comme ça. Tu m'entends bien, je crois. Il n'est plus bougé. Il n'est pas content. Et je vais peut-être réenregistrer ma vidéo là. Non, ça va. OK. Bien, bref. Désolée. Hein. Et donc, quand on est dans cette situation-là, on se sent parfois isolé, parfois on se gère pas à 100%, mais tu n'as pas non plus quelqu'un en face de toi, peut-être ta famille, tu vois, n'est pas vraiment, ou tes amis ne comprennent même pas ce que tu fais, ou peut-être ne sont pas du tout de bons conseils. Et ça, si tu manques donc une communauté des personnes qui sont dans le même bateau que toi, dans cette même situation que toi, à ce moment-là, ça fait tellement du bien de se retrouver. Mais moi, par exemple, personnellement, j'ai une résistance comme ça, aller à des meetings, network meetings, donc pour faire le réseautage, comme on dit. Hein. Combien de meetings comme ça j'ai déjà été et je me dis, mon Dieu, mais Coudron, qu'est-ce que tu fais ici? Tu perds ton temps. Je ne sais pas si tu connais ça. Et donc, j'ai cette réticence à perdre mon temps, vraiment. Mon temps est devenu la chose la plus précieuse que j'ai à donner et à prendre. Et donc, à investir si tu veux. Donc, si je vais à une réunion, et que ça m'arrive, je me dis, mais je perds mon temps, je me suis déplacée, je suis ici et j'apprends rien, je rencontre pas de gens intéressants, ou je rencontre personne, ou c'est pas la même longueur d'onde, etc. À ce moment-là, je peux perdre comme ça une soirée entière. Et je vois en fait peut-être toujours des nouvelles personnes. Maintenant, il existe des masterminds, c'est encore pas si fréquent, offline. Donc, tu dois te déplacer, tu dois voir les gens. Ça, c'est certainement magnifique et j'adore voir des gens pour travailler ensemble en réel. Mais c'est compliqué quand même parce que je dois me déplacer, je perds mon temps dans les déplacements. Et souvent, souvent, quand je vais aller quelque part, ben ça va prendre tirer en longueur. J'aimerais bien avoir une réunion de travail où je travaille 1 heure et demie, vraiment d'une manière super concentrée et puis m'en aller. Donc, souvent, si je fais ça dans le réseautage ou quoi, ça va prendre toute ma matinée, toute ma soirée, et ça, ce n'est pas efficace. Donc, soit tu vas voir des amis et je ne veux pas travailler, soit tu veux travailler et je ne veux pas que ça déborde en autre chose. Pour résoudre cela, je te propose un concept qui est, je l'ai encore jamais vu, qui est totalement unique. C'est un concept de travail, une réunion de travail avec des gens qui sont dans le même bateau que toi, donc ils font leur propre truc. Mais ils rencontrent les mêmes
problèmes que toi, parce qu'ils sont aussi indépendants et ils sont aussi, ou bien ils montent leur projet, donc ils vont très rapidement l'être. Et ils rencontrent cette histoire de devoir avoir des différents chapeaux pour gérer sa vie en tant qu'entrepreneur ou solopreneur. Et ils ont besoin d'avoir les clients, ils ont besoin de mettre des systèmes en place, ne pas procrastiner. Je viens de faire une vidéo sur une procrastination la plus débile de ma vie que j'ai fait. Et donc, ce n'est pas grave ça. Mais si moi, je n'ai personne, et moi, j'ai fait partie d'un groupe comme ça, mais si je n'ai pas ça, alors je suis totalement abandonnée à moi-même. Et je peux tricher avec moi-même. Et ne me dis pas que tu ne fais pas ça, je pense que tout le monde le fait. Mais quand tu as un groupe qui te rencontre tous les 2 semaines ou chaque semaine, et tu as vu ce groupe et que tu as dit, voilà mon problème, c'est ça, je n'ai toujours pas fait finance. Et alors, les gens vont te dire, oui, mais fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. Tu fais leur résumé de ce que tu as compris. Merci beaucoup, les gars. Waouh, ça m'aide beaucoup. Je comprends très bien pourquoi j'ai des résistances et je vais travailler dessus. Et je promets, pour notre prochaine réunion, mes finances seront prêtes. Est-ce que tu vas te trouver avec la même facilité devant la prochaine réunion et dire, oh non, ben, j'ai en fait rien fait du tout? Là, déjà avoir un peu plus dur, tu sais, comme aller à l'école et avoir des devoirs et devoir dire devant tout le monde, je n'ai pas fait mes devoirs. Tu sais comment tu te sens à ce moment-là. Tricher avec soi-même, tu peux encore te dire, oh, toutes les bonnes excuses, mais devant les autres, alors que tu t'es engagé et que tout le monde t'a aidé à trouver la solution, eh ben, c'est un pas qui va faire en sorte, je me suis engagée, je le fais. Et même si c'est une heure avant, ça sera fait. Et donc, ça, c'est la puissance d'un cercle de, enfin, d'un mastermind. Ok, ici j'ai expliqué un mastermind. Donc le mastermind a cet avantage-là. Tu reçois un brainstorming de tout le monde, un coaching de la personne. Donc à l'occurrence ici c'est moi, pour ton problème que tu dois résoudre et avec lequel tu veux avancer. Et puis tu t'engages à avancer. Et 2 semaines après, tu as avancé. C'est clair et net. Et si tu n'as pas pu avancer, on va aller voir tous ensemble. C'est pas grave, mais qu'est-ce que c'était? Et tous tes blocages vont être mis en lumière et tu vas recevoir les solutions, et une de forcément toutes ces solutions sera certainement bonne pour toi et la tienne. Donc, tu n'as pas seulement une coach, tu ne travailles pas un à un, tu travailles avec une coach et avec tous les gens dans le cercle. Alors, le mastermind, c'est ça. La magie ici dans ce que je te propose, elle va plus loin que ça. Nous allons commencer nos réunions avec un exercice d'alignement, un rituel d'alignement, de sororité, de réunion dans le sens de réunion et aussi de vraiment de alignement vers les énergies du haut et de bas et son ancrage. Ça, c'est notre entrée en matière. Et après, nous faisons le travail qu'on fait dans un mastermind, bien sûr. Donc, c'est vraiment, je suis là, la garante que tu ne vas pas commencer à faire des discours, de te éloigner du sujet et commencer à dire, et toi, tu cuisines quoi ce soir? Oh, hier, j'ai vu ma copine. Hier. Tu vois, ça va être une vraie réunion de travail. Oui, le fun, c'est en dehors de la réunion. Si tu veux avoir des contacts privés avec tes sœurs magiques qui sont dans le cercle, bien sûr, tu peux. Pour ça, tu vas avoir un groupe Facebook où tu peux aussi t'écarter du sujet. Bon, et on finit avec une danse de détermination. Ou à l'occurrence, si on a besoin de faire une autre danse, il y en a plein comme ça. Tu as la danse de la déesse, tu as la danse de la reine, tu as la danse de la détermination, tu as la danse avec tes anges, tu as la danse avec tes guides, tu as la danse de ancrage, tu as beaucoup de différentes danses. Et ça, notre réunion de sororité, notre mastermind, il est dans cette énergie, dans ce vortex, si tu veux, dans lequel tu vas te trouver pendant 4 mois. Et tu vas être dedans même en dehors de la réunion. Et nous clôturons la réunion avec cette danse pour incarner, que ce soit inscrit dans ton corps, ce que tu viens de, à quoi tu viens de t'engager, pour que tu aies un souvenir d'une énergie qui va te booster. Donc, le jour où tu vas te trouver devant le truc avec lequel tu avances et tu vas te dire « Non, mais là, je suis fatiguée, j'ai une autre raison », tu vas pouvoir contacter ce feeling que tu as eu.
tu vas le contacter, ça, je t'enseigne, tu vas pouvoir le contacter et il va te remettre tout de suite dans cet engagement-là et lui donner la priorité et la place dans ta vie qu'il mérite avec légèreté et énergie et enthousiasme, pas un truc lourd. Donc, on apprend un tas de techniques pour s'organiser soi-même, pour se gérer soi-même, mais aussi des techniques pour attirer l'abondance, pour attirer le client. On va parler de vraiment ta vie d'entrepreneuse de tous les jours, avec tous les problèmes ou les situations qu'on ne sait pas, avec lesquelles on procrastine. Je vais le dire comme ça. Et avec ça, après 4 mois, tu te fixes des buts au début. Peut-être que tu connais déjà parfaitement tes buts, mais on va les redire à la première réunion, on fait connaissance et on fixe les buts. Et on les vérifie, ces buts. Et vous allez recevoir de ma part un tableau Excel où on va faire ça. Et ça recommence, cette histoire d'écran, ça me perturbe. Et donc, c'est ça la magie de ce cercle des femmes magiques que je te propose ici. Et il y a vraiment, on est maximum 6 femmes là-dedans. Et c'est ça aussi c'est un petit cercle puissant. Donc, si, après réflexion, tu penses que ça pourrait être quelque chose qui t'aide, ouais, à ce moment-là, je t'invite de me contacter et on va en parler. Je fais une sélection pour garantir la cohérence de ce groupe. Dans ce groupe, si on va passer 4 mois ensemble, il est quand même important que plus ou moins tout le monde a plus ou moins le même niveau, je vais dire, si tu as quelqu'un qui ne veut même pas avoir un business, ce n'est pas très logique qu'il soit dans ce cercle, tu vois. Ou quelqu'un qui est parfaitement déjà lancé et tout. Bon, je vais parler avec la personne, lui dire, voilà, les gens qui sont là-dedans, comment ils sont, et pour garantir la cohérence du groupe. Donc, tu peux postuler si tu penses que quelque chose comme ça pourrait t'aider. Si tu n'as aucune idée, tu es juste très curieuse, on peut parler et je t'explique encore une fois. Tu as eu Francesca, Patricia, Kinatea et Salwa, donc qui vont parler de ce que ça a fait pour elles. On a eu un cercle comme ça, très soudé, très intensivement occupé pendant tout l'été. Et ça a été vraiment époustouflant et incroyable, le résultat. Et la puissance de cette histoire-là. Donc, je t'invite à considérer cette offre, cette opportunité, cette possibilité. Pour cette possibilité, tu dois postuler, tu dois vraiment postuler si tu veux saisir cette chance pour pouvoir faire partie de ce cercle. Et l'autre avantage est évident, c'est que tu ne dois pas te déplacer. Tu dois y consacrer tous les 2 semaines 1h30 de ton temps. Mais 1h30 intense. Et je pense que c'est absolument unique, en tous les cas. Je n'ai pas encore vu que quelqu'un d'autre offre un cercle de femmes magiques de cette manière-là. Tu as des tentes rouges, tu as des masterminds qui sont souvent juste pour le côté business. Ici, tu vas avoir tous les éléments de cette magie, la loi d'attraction et toutes ces choses que tu vas mettre en œuvre. Tu reçois de ma part dans ce cercle, si tu regardes la page, tu reçois certains cours que j'ai où on travaille sur la confiance en soi. Et tu seras donc aussi, tu feras partie de mes 6 clients absolument privilégiés. Les clients que je vais voir tous les 2 semaines. Et ce privilège va te permettre d'avoir accès à d'autres choses au fur et à mesure que je vois que le groupe en a besoin ou que toi, tu en as besoin. Ça vient aussi, oui, j'ai oublié de dire, avec un coaching individuel. Donc, avant de commencer, je vais coacher chaque personne pour vraiment faire en sorte qu'il y a un alignement, qu'il y a une clarté avant la première réunion que nous allons avoir. Et puis, tu as un coaching individuel, un deuxième, que tu prends quand toi, tu sens que tu en as besoin. Donc, pendant 4 mois, tu peux prendre ce deuxième coaching individuel avec moi quand on prend rendez-vous ensemble, mais quand tu sens que là, j'ai besoin d'un peu plus. Voilà, c'est magnifique ce nouveau projet. Je suis totalement enthousiaste avec ça. Je me réjouis puisque j'ai vu chez les 4 personnes avec qui j'ai fait ça la magie qui se dégage.
J'ai pas de mots pour ça. C'est totalement magique et ça fait tellement avancer. Et comme je suis moi-même dans un groupe comme ça, je connais la puissance d'un groupe comme ça. Donc voilà, je le propose. J'en suis très fière en fait et j'espère que dans le groupe ici et à toutes les personnes que j'ai partagé cette vidéo, vous allez l'écouter, vous allez sonder votre cœur, sonder un peu où vous en êtes dans votre business, dans votre évolution, votre développement en tant qu'entrepreneuse, dans le leadership aussi bien que dans la gestion. Et donc, prendre la bonne décision. Et avant de la prendre, de toute façon, il faut qu'on parle ensemble et je peux t'aider à te répondre à toutes tes questions et à sonder, en fait, si c'est le bon moment pour toi. Donc, je vais pousser personne dedans. Ça ne marche pas comme ça. Mais je peux t'aider à clarifier, à voir clair. Comme ça, toi, tu prends une décision incarnée et ce sera la bonne pour toi. Et ça, c'est, je crois, qu'est-ce qu'il faut. Ok, magnifique. Donc, comme c'est aussi le premier cercle des femmes magiques, ça fait un an que j'ai envie de l'avoir. Comme c'est le tout premier, il y a vraiment une offre tout à fait spéciale autour de ça. Il y a aussi les bonus qui sont extraordinaires. Donc, tu peux me payer chaque mois au lieu de payer la somme en entier. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est accessible. Ok. J'espère que je vais donc pouvoir expliquer ça à toutes celles à qui ça parle et à bientôt. Bye bye.